les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission dans l'éradication du terrorisme. Dans une nouvelle escalade sioniste, des forces d'occupants israéliens excèdent de force dans l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Lavrov met en garde contre les tentatives d'imposer des choix sur l'Ukraine. Dans notre actualité, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des terroristes aux alentours de l'école d'Al-Yarmouk et l'Institut de technologie à Dar al-Balad. Une autre unité a visé des terroristes sur la route romaine près du village d'Al-Haswe dans la banlieue de Daraa. Et dans la banlieue de Homs, des forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé des groupes terroristes dans les deux villages d'Al-Ghassibiya et Salam Sharqi. L'armée a également mis en échec une tentative de terroristes de passer illégalement du village As-Sultaniya vers le village d'Abu al-Alaya. Une colonne de voitures de terroristes venant du village de Jbab al-Hamad vers Al-Nasiriya a été détruite. À Alep, des forces de l'armée arabe syrienne ont déjoué une tentative des terroristes de s'infiltrer vers les régions de Sheikh Saïd, Siriatel et Al-Ayramoun. Une source militaire a indiqué que des unités de l'armée ont fait face à des terroristes qui tentaient d'avancer dans le quartier de Sheikh Saïd et la région de Siriatel, faisant des tués et des blessés parmi eux. La même source a fait noter que des caches des terroristes et des véhicules chargés de leurs armes et munitions ont été détruits dans la cité industrielle, la zone libre et au nord de la prison centrale. Et dans la ville d'Alep, des unités de l'armée ont éliminé des groupes de terroristes armés dans plusieurs quartiers. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé des terroristes qui étaient en train d'attaquer l'aéroport d'Abu Dhuhr. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces affrontements, en plus de la destruction des véhicules des terroristes dotés de mitrailleuses lourdes. Les habitants du quartier d'Al-Jubé à Damas ont organisé aujourd'hui une marche imposante pour rendre hommage au sacrifice de l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre le terrorisme. Les participants ont porté les drapeaux syriens et arboré des pancartes sur lesquelles ont été écrits des slogans exprimant leur appui à l'armée arabe syrienne face au complot. Palestiniens occupés, des forces de l'occupant israélien ont investi en grand nombre la mosquée d'Al-Aqsa. Les soldats israéliens ont accédé dans l'esplanade de la mosquée via les deux portails d'Al-Maghrib et Al-Silsila et ont agressé les Palestiniens retranchés à l'intérieur de la mosquée. 80 maqdisis avaient décidé de munir la mosquée en signe de protestation sur l'intention des autorités de l'occupant israélien de dominer complètement la mosquée. Dans ce même contexte, une proposition présentée par des groupes sionistes à la Knesset israélienne sera mise au débat lors d'une séance de la Knesset aujourd'hui. La tension règne dans l'ancienne ville d'Al-Quds, notamment aux alentours de l'esplanade d'Al-Aqsa, où des Palestiniens se sont rassemblés en grand nombre pour essayer de briser le siège militaire imposé par les forces israéliennes à la mosquée. Les forces israéliennes ont utilisé des bombes sonores et à gaz, ainsi que des balles réelles pour disperser les Palestiniens. Le ministère irakien de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui avoir intercepté le plus grand camp d'entraînement des terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant. Le camp a été découvert suite à une opération spécifique de l'armée irakienne au nord-est de Baqouba, dont le gouvernorat de Diyala au nord-est de Bagdad.
Le ministère de l'Intérieur a indiqué que le camp contenait de grandes quantités d'explosifs, des équipements militaires et des étendards de l'organisation terroriste. D'autre part, des forces de l'armée irakienne ont éliminé une dizaine de terroristes de l'État islamique en Irak et au Levant dans une opération de sécurité à l'ouest d'Ar-Ramadi, dans le gouvernorat d'Al-Anbar. Parmi les terroristes tués figuraient des étrangers. Le président russe Vladimir Poutine a examiné au cours d'une réunion d'urgence avec les membres du Conseil de sécurité nationale russe les développements en cours en Ukraine. D'autre part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde contre le danger des tentatives d'imposer des choix sur l'Ukraine. Dans une conférence de presse avec son homologue luxembourgeois à Moscou, Lavrov a appelé toutes les forces politiques en Ukraine à œuvrer pour le rétablissement du calme dans le pays. Il a réaffirmé la position de son pays qui consiste à ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Ukraine, espérant que les partenaires de Moscou dans le monde prennent la même position. Les deux ministres ont exprimé l'inquiétude de leur pays vis-à-vis des événements actuels en Ukraine. En Ukraine, le Parlement a annoncé aujourd'hui, jeudi prochain, date du coup d'envoi des élections présidentielles anticipées. La présentation des candidatures se poursuit jusqu'au 30 mars prochain. Plusieurs candidatures ont été présentées jusqu'à présent. Cependant, Yulia Tymoshenko, ex-premier ministre relâchée récemment, n'a pas annoncé son intention de présenter sa candidature à la présidentielle. Voici un rappel des principaux titres. Des unités de l'armée arabe syrienne poursuivent leur mission dans l'éradication du terrorisme. Dans une nouvelle escalade sioniste, des forces de l'occupant israélien accèdent de force dans l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa. Lavrov met en garde contre les tentatives d'imposer des choix sur l'Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrianline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.